On est parti. Patrick Jagou, sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Le Guilcher. Arnaud Le Guilcher, avec le nom que vous avez, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, je suis d'une région de la Savoie qui est très particulière puisque c'est la partie bretonne. Et je suis né à Guingamp, à deux pas du stade de l'En Avant de Guingamp, qui à l'époque s'appelait le stade Montbareil. Voilà, pensez à tous les Guingampais qui vous écoutent en Savoie. On ne doit pas être nombreux. Arnaud Le Guilcher, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le disque. J'ai commencé à travailler chez Barclay, le label Barclay, avec des gens aussi talentueux et géniaux que Bachung, Noir Désir, Marc Lavoine, Carla Bruni, Isia, Lou Doyon, Juliette Armanet. C'était une partie de ma vie que j'ai adorée. Et puis, il s'avère que la boîte a été reprise par une grosse multinationale et que l'ambiance générale dans les industries culturelles a un peu bougé. Donc je suis revenu à quelque chose de plus artisanal. Et maintenant, je suis dans un label qui s'appelle Vagram, qui est un label indépendant. Donc en fait, là, on s'occupe de Mathieu Chédid, d'Aurel San, de Catherine. Donc des gens très talentueux, mais avec un rapport plus humain, plus doux, en fait. Mais alors, Arnaud, dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? Oh bah, je pense que comme 90% des auteurs, j'ai commencé à écrire parce que je me suis fait plaquer. Et comme j'ai eu le cœur tout brisé, bah, j'ai commencé à boire. Et comme j'ai beaucoup bu, bah, j'ai beaucoup traîné dans les bars. Et dans les bars, en fait, il y a une espèce de faune nocturne qui est géniale où on se raconte nos vies en rigolant, en buvant des coups. Et j'ai commencé à prendre des notes sur tous les types que je rencontrais la nuit, leurs histoires un peu de cœur cassé. Je trouvais qu'il y avait pas mal de panache là-dedans. Et ça a servi à faire la matière première de mon premier bouquin. Une histoire d'amour comme ça, un peu ratée, dans un milieu de losers. Donc comme ça, ça donne pas super envie, mais ça donne une comédie qui est assez humaine, assez proche de l'os, presque, du cœur. Enfin. Et voilà, et au bout du compte, j'en ai fait un, puis j'en ai fait deux, puis j'en suis à mon sixième. Et ça raconte un peu toujours des personnages en bord du monde, un peu en marge. Mais c'est là où je me sens bien, avec mes compagnons d'infortune. Arnaud Le Guilcher, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre intitulé « Du tout au tout » ? Alors, mon dernier bouquin fait un peu le parallèle avec ma vie professionnelle. En fait, comme j'ai passé 20 ans dans une boîte, j'ai changé pour aller vers quelque chose de plus souple. C'est un peu ça le bouquin. C'est une boîte qui s'appelle Poséidon, qui est rachetée par un groupe qui s'appelle Vulcain. Et d'un truc un peu centré autour des artistes, autour de la beauté, de la création, on arrive à quelque chose qui est plus sur le profil et puis l'irrespect du personnel. Beaucoup de burn-out qui se mettent en place, une espèce de phénomène de société dont on parle énormément mais qui bousille quand même pas mal de gens. Avec les vies accaparées par la présence du téléphone, des mails, des réunions, des comptes rendus absurdes, mais de tout ce qui fait qu'on travaille beaucoup pour finalement pas grand-chose. Donc voilà, ça raconte ça et c'est la façon dont ça mute et la façon dont on essaie de s'en sortir, un peu. Et c'est une comédie, on va dire, dramatique, puisque le fond est un peu dense, mais les héros, la bravoure, le charme et l'élégance d'en rire. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Arnaud Le Guilcher intitulé « Du tout au tout », publié chez Robert Laffont. Arnaud Le Guilcher, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.